Et donc, eh bien, bonsoir et bienvenue en tout cas sur le stream de Monsieur McFly. Bon, on va se passer pendant une heure, voire 2 heures en votre compagnie. Donc je change la scène. Bon, pour ce stream de ce soir, ce sera sans la webcam, bien entendu. Donc on va lancer le jeu maintenant. Si j'arrive à le trouver, ça serait bien. Voilà. Donc on lance le jeu. J'ai juste enlevé vite l'image. Hop. Voilà. Et normalement ça devrait être bon. Bon, on va faire comme on a fait en journée. Donc on va faire des sessions, une petite session d'entraînement. Et puis en fonction de disponibilités de... des personnes qui voudraient y jouer juste après, ben on fera peut-être une petite session juste après. Attendez, je vais quand même vérifier quelque chose pour être sûr. Ah, sauf si je ne me trompe pas. Si vous m'entendez un petit peu faux. Vérifier. Ouais, le son c'est bon. J'étais pas sûr du son. Et donc voilà, on va faire petite session contre la montre. Je vois, c'est pas moyen justement d'améliorer la Chine. Donc la Chine, pour ceux qui étaient pas là en journée, donc j'étais en 1:32.006. Et le meilleur temps, en tout cas mondial, est de 1:29.1. Passer les 1:31, je pense que c'est faisable. Ce qui serait déjà pas mal. Donc c'est l'objectif de ce soir, en tout cas pour Shanghai. Par contre, j'ai un peu le câble qui me dérange. J'ai... au niveau de ma jambe. J'espère que ça va pas trop m'ennuyer. Moi je regarde un peu. Il faut surtout bien se placer quand on a un volant, bien se placer au niveau du siège. J'ai un peu de boucan, mais bon. C'est pour le bien de ma conduite. Je vais bouger le micro si tant que j'y suis. Pour être bien face à moi et en même temps que ça ne me dérange pas. Alors, info session. Donc, comme on a dit tout à l'heure, j'étais en 1:32.006. Par rapport à Monsieur Taylor, donc il est à 3 secondes 5 de mon temps. Alors, le réglage. Charger réglage. Donc, nous sommes sur Shanghai. Voilà, donc, c'est parti. On va dire bien commencer. J'ai oublié d'enlever de mettre mon téléphone en silencieux. J'ai déjà perdu 4 dixièmes. Comment déjà? Ouais, non, vaut mieux. Attendez, juste. Voilà. Comme ça, je serai pas dérangé. On va recommencer.
je perds autant pour mes secteurs. Je faisais du drift avec, avec la voiture. Pas mal. Perdu trop de temps. Ça va être dur de pouvoir passer en vert. On va dire qu'il y a déjà un petit mieux que tout à l'heure. À l'extérieur, mais je sais où je pourrais en gagner un petit peu en tout cas. Mais comment ça se fait qu'il part, t'es d'accord comme ça? Incroyable. Thank you.
Allez, c'est pas possible. Saleté de vibreur. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi je pars en tête à queue dans un virage que je prends d'habitude de la même façon. Donc, je sais pas, ça vient de sortir. Mais bon. On continue. Monsieur, il est très très mal pris. Mais bon, on continue quand même. Ah, t'es bordel de merde. C'est ce virage-ci, je peux gagner du temps, mais faut que je reste en troisième. Mais en troisième, elle part un peu en tête à queue. Voilà, ça, par contre, ça m'est arrivé jamais. Je pense que c'est le fait d'avoir rétrogradé. De remettre une vitesse juste après. Enfin, de jouer avec des vitesses de haut en bas, c'est pas forcément bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Pour l'instant, j'ai fait qu'un seul tour correct.
je perds quand même du temps. On voit qu'en deuxième ça passe. En deuxième ça passe, mais bon. Pas gagné énormément pour l'instant. Je m'en doutais. J'aurais pas dû rétrograder en plus. Voilà, je pense que j'ai totalement foiré. Ouais. On va recommencer. Ouais, il faut être en quatrième. Non, pas troisième, quatrième. Pour l'instant, c'est le deuxième secteur qui est problématique. Pour l'instant. Ouais. Donc pour l'instant, c'est le deuxième secteur qui me dérange. Donc retournez gauche. On va voir combien je suis maintenant avec cette amélioration au niveau du temps. 1614e, ok. Sur 12296. Bon, ça va, au moins je suis passé dans une trentaine comme je voulais. Maintenant on va toujours essayer de descendre. Oui, par contre je peux le voir directement ou combien je perds au niveau du deuxième secteur. Faut juste que je fasse terminer session. Voilà. Et donc je perds 2 dixièmes quand même. Mais j'ai vachement gagné. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Non, c'est moi qui me trompe. Le premier secteur, je fais exactement le même que tout ce qui était l'autre temps. Non, mais temps, c'est. Ouais, non, ce que je raconte, c'était en dessous. Donc. Je perds un seul dixième. Ouais, c'est ça, je perds un dixième par rapport à mon ancien chrono. Ouais. Par contre, dans les deux autres secteurs, là, j'y gagne par rapport à mon ancien temps, donc ça va. Bon, bah, ça va être... ça va pas être évident, je pense, hein, mais bon. On va recommencer la session. On va essayer de l'améliorer. Hein. On va voir si c'est toujours les réglages de base que j'ai mises. Ok. On se lance.
Ouais, non, je perds trop de temps. Juste là. Allez, on recommence. Allez, concentration. Si ça a l'air d'aller pour l'instant pour les secteurs. Là, je perds de l'adhérence au deuxième secteur. Oh là là, oh là 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 là. Oh, la voiture, elle part totalement en vrille. Oh, là, là, là. C'est toujours sur des petits détails que voilà, on y perd au niveau des dixièmes, c'est incroyable. Secteur, ça va, ça passe. Ah, j'ai mal pris. J'ai mal pris. Voilà, c'est une catastrophe. Non, ici je vais pas l'améliorer. Mais on poursuit, on poursuit. Allez, c'est parti. Allez, concentration, concentration, normalement il y a moyen. Ah là 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 là. Je ne devais pas accélérer aussi vite là. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, vous êtes pour l'instant 3 sur le stream. Merci en tout cas d'être présent. N'hésitez pas, bien sûr, à vous manifester sur le chat si vous le désirez. Donc, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon divertissement en ma compagnie. Oula, et non, mais c'est pas possible, c'est une catastrophe. Comment j'arrive à reprendre ce virage comme ça? Incroyable. Je perds déjà 2 dixièmes sur le premier secteur.
Ok, ça va, j'arrive à récupérer un petit peu. Je vais quand même l'améliorer. Donc il y a vachement moyen de faire au moins une 31.5. Oh là 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 là. Quand je vois ça, des fois je me dis mais comment je peux imaginer d'aller là-bas? De prendre un virage aussi merdique que ça. Là, je quitte la piste. Aïe aïe aïe. Je prends bien au départ et puis je sais pas pourquoi il s'écarte sur la gauche là. Secteur, je suis en vert. Toujours en vert en deuxième. Je le sens mal, je le sens mal. Ouais. Ah là 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 là. Ah, il y avait moyen de l'améliorer en plus. En fait, j'ai trop vite accéléré. J'étais pas assez bien rentré dans ce virage, ce long virage droite. Et donc, d'office extérieurement, enfin pour aller vers la gauche, bah, c'était un peu trop large. Ah bon, il y a moyen de s'améliorer à 2 dixièmes de plus. Mais non. Oh là là. Et c'est grave quand même.
va dire que c'est déjà mieux, mais bon, c'est pas encore le top, mais on est toujours en vert. Ouais, voilà. Bon, une 31-7. Une 31-7, bon, c'est pas terrible, terrible. Je pensais que je pouvais améliorer mieux que ça. Donc, pour l'instant, nous sommes... Enfin, je suis, plutôt. Donc, à la... Ah, bah, 1467e. Bah, écoutez, déjà, par rapport à mon autre collègue, je suis presque à 4 secondes de lui. Et un mondial 1467e, bah, ça va. Hein. Bah, en Chine, c'est pas l'un de mes circuits les plus préférés, enfin de ceux que j'apprécie en tout cas. Donc ça va, c'est déjà très bien. Et je pense qu'on va on va changer. On va en faire un autre. Donc j'ai amélioré de ouais, un dixième par rapport à la séance d'avant. Bon, même pas un dixième. Donc voilà. Allez, on va changer. On va faire un autre circuit. Bah, c'est vrai que je pourrais refaire Baku comme, comme tout à l'heure. Ça me fait de l'entraînement. Quoique, est-ce que je pourrais déjà faire l'Espagne ? Oh, on peut faire l'Espagne. Est-ce que j'ai un temps en Espagne? Non. J'ai pas de temps en Espagne et mon collègue n'a pas de temps non plus. En une 16. Temps sec. Ouais, oh, allez, on va faire l'Espagne. Par contre, le réglage, je pense que j'en ai un sur moi. Alors, pour l'Espagne, Espagne, je l'ai noté où? Ah, je l'ai noté là. Bon, alors, on va mettre le réglage en question. Ouais, je voudrais bien, voilà. Alors, pour le réglage, on va mettre, donc, un petit 8-8. Transmission 90-75. 250, 100, 005, 020, on va mettre 4, 4, 9, on va mettre 8, et 3, et 3. Donc 4, 4, 9, 8, 3, 3. Ça, on va mettre 80, 52. De toute façon, si ce réglage-là ne me convient pas, c'est pas encore un problème, on pourra le modifier plus tard. Alors, on va vérifier. 8, 8, 90, 75, 2, 50, 1, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 20, 8, 4, 4, 9, 8, 3, 3, 3, 3, c'est ok, 80, 52, et 22, 2, 20.3. Sauvegarde. On va mettre donc Catalogne. C'est comme ça que c'est écrit. Sans être sûr. Voilà. Et puis je vais mettre le cas où. Et on va se lancer. Allez, c'est parti.
Oula. Ah ouais. Ah, je pensais que je pouvais le prendre à fond, mais non, c'est pas le cas. C'est limite en quatrième. Comment ça se fait que je suis pas en tentacule? Normalement, je suis pas allé à fond. Bizarre. Oula, d'accord. Directement l'accélération, bah. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah ouais, en fait, ce setup-là n'aime pas du tout des vibreurs. De ce que je peux remarquer. Donc on va essayer vraiment de les prendre les moins possibles. Peut-être en deuxième c'était mieux. Oula. Je pense avec ce setup là j'aurais pu avoir difficile. Pas de télé, tout. Ouais, non, faut vraiment que je prenne. Faut vraiment que je prenne un autre réglage, ça n'ira pas. Tiens, je me demande concernant les tops. Les tops mondiales. Est-ce qu'une 16, ça serait bon? Bon, on peut toujours. On peut toujours voir son réglage. Alors lui il a mis 6,5, 55, 80,
Ça, par contre, je vais laisser tel quel. Je vais laisser comme ça. Ça ne bouge pas, ce que pas. Bon, il a juste augmenté, enfin diminué l'aéro. Bon, on va toujours sauvegarder. C'est quasi le même à part l'aéro qui est un peu plus différent. Allez, c'est parti. Ouais, non. Ah, ce vibreur, il. Ah, enfin. C'est parti du virage avec le vibreur, là, ça va. Ah, ça va être pénible. Ça, je peux le prendre à fond. Quatrième, c'est bon. Il faut vraiment que j'aille en douceur, en fait. Ça passe. Je sentais que je partais en tête à queue, donc j'ai préféré pas prendre de risques. J'ai préféré faire recommencer, j'ai pas envie de valider avec justement le fait que j'ai coupé à la fin. Enfin, on va faire un temps. Une 20.2. Ça va, 3000. 3000ème mondial. Je suis sûr que je peux faire mieux.
3 dixièmes, une 19. Parfait. C'est bien, on s'améliore. Ah, laisse ça, tête vibreur. Bon. En tout cas, il y a de l'amélioration. Avec ce réglage, donc 2446e en 1.19.8. Donc je suis à 3 secondes, 4 quand même du premier. Ce qui n'est pas rien. Mais bon, au moins c'est un temps qui est quand même pas mal. 2446e sur 12940. Ça va quoi. Et on va continuer à l'améliorer. Ah, ce vibreur. Dès que je le prends, c'est foutu. Les temps parti en tête à queue. Bon, ici c'est justement faire le meilleur temps possible, donc je peux recommencer, mais en course ça je... Faudra juste décélérer un peu, laisser la voiture se guider, mais jamais... pas réaccélérer. Oh là 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 là, c'est pas possible. Notre meilleur tour jusqu'ici est de 1 minute 19,8. Ah, coupé. Il y a déjà moyen d'améliorer de 1 à 2 dixièmes. Ah, j'ai coupé, putain.
deux dixièmes que je pouvais encore. C'est quoi ce bordel? Ah là, j'ai pas compris. Ou à quel moment il part en tête à queue? Ah, le vibreur. C'est le vibreur. Tout pour casser le rythme. Encore une fois, deux vibreurs. Je le sentais. Au moment où je prends le virage, je dis que je serai trop large en sortant. Je me disais peut-être en sixième ça allait passer. Bon, on dirait que non. Allez, dernière tentative et puis on changera de circuit.
Oula, oula, oula. Ouais, vaut mieux arrêter sur ce circuit maintenant. Donc ici, mon meilleur temps donc il est de 1.19.8. Donc le prochain rival que je dois battre, premier secteur, ça je suis dans le même que lui. Le deuxième, oui c'est le deuxième secteur qui prend le plus. Et le troisième, bon à un dixième près donc. Et lui il est combien? 1.19.4. Ouais, il y a peut-être moyen d'aller 1.19.4. Pour la prochaine fois. Alors, contre la montre, le prochain Monaco, j'ai défait tout à l'heure. Tiens, je vais voir si je refais Australie. J'ai déjà un temps. Mais... Est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer le 1.21.6? Ça, je ne saurais même pas te dire. 1.21.6. On va essayer une prochaine fois. Bahreïn. Bahreïn, j'ai fait il n'y a pas longtemps. Jamais un Melbourne, très facile. Ouais. Chine, difficile, oui, j'avoue. L'Azerbaïdjan est assez difficile aussi. Intermédiaire. Très difficile, Monaco, ça c'est sûr. Canada, est-ce que j'ai un temps au Canada? J'ai un temps, mais de. Je suis positionné. Donc j'ai fait mieux que Brian. Et je suis quand même qu'à... Enfin, à K. Je suis quand même à 4 secondes du premier. Bon, ben on va essayer de l'améliorer. Canada. Et un circuit, il faudrait aussi que je m'entraîne. Enfin, en tout cas, deux. Le Mexique et Abu Dhabi. Parce qu'Abu Dhabi, ça a changé depuis quelques années. Mais bon, l'opus... à ce moment-là du changement, je ne l'ai pas acheté. Donc je ne connais pas du tout le nouveau tracé. Et le Mexique, il faut juste que je me remette un peu dans le bain. Mais c'est un circuit que je ne me suis pas fort entraîné. Bon, avant session. Est-ce que j'ai un réglage? J'ai pas de réglage sur au Canada. Non, je n'en ai pas. Donc, je vais prendre... attendez. Sur le papier, j'étais en combien? Canada. Voilà, ouais, Montréal. Donc, au meilleur temps, c'était une 7-9. Une 7-9, donc. Tiens, par curiosité. Je vais prendre le réglage de celui-ci. Pour voir si c'est le même. Alors, 4-5. Ah, lui, il met à 62 les deux, pas à 70 comme je l'ai là. On va essayer tel quel. Ouais, ça y ressemble à peu près, à part vraiment la différence entre. Voilà, ça c'est de 8% pour les deux. Ouais, bon, bah, on va essayer. Donc, sauvegarder. Sauvegarde réglage. Donc, Montréal, en sec. Hop. F2 publié, mais publié dans, sur quoi? Ça, je voudrais bien savoir. Ouais, c'est parti. Je me disais bien, le virage est très très mal pris.
prenne un peu trop tard. Coupé. Oh, là, je freine un peu trop tard. Sortie de virage n'est pas terrible du tout. Je pense qu'il y a moyen que je l'améliore de 4-5 dixièmes. Ah, même de mieux. 7 dixièmes. Ah ouais, pas mal. Pas mal du tout. Ah, je suis content de mon tour. Entrée garage. Donc pour l'instant... Merde, trompé. Pour l'instant, donc, je suis 2776e. Et toujours à... 3... Ici, non, je suis à 3 secondes et 2 dixièmes. Donc, quand même, hein, c'est... Pas évident. Pas évident du tout. Bon, on va toujours essayer de l'améliorer. Hein. On va essayer de passer les N9. Enfin, en tout cas, de se rapprocher des N9. Sauf si j'ai déjà la première chicane compliquée. Terrible. Thank you.
gagné 2 dixièmes et si je suis plus qu'à 1. Oh non, j'ai carrément coupé. Là, carrément. Carrément encore. Je prends tellement de mal des virages, c'est pas possible. Voilà. Là, on dirait que j'ai fait vraiment exprès. Faut surtout pas que je rate la dernière chicane. Limite même. Ok, ce dernier tour était de 10.0. Bon, à part on va dire vers la fin où j'ai un peu trop. Enfin. J'ai quand même frôlé le mur, mais bon, ça m'aurait permis de gagner peut-être un dixième, quoi, pas plus. Ah, je suis content. Je suis content de ce temps, qui me place maintenant à 1917e, en une 10.0. Donc maintenant, je suis à moins de 3 secondes du premier. Et par rapport à mon collègue, je suis à 3.6 secondes. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que on va s'arrêter là sur ce joli temps. Je pense qu'on va faire ça. Bon. En tout cas, pour ceux qui étaient sur le stream pendant toute cette 1h15, en tout cas, merci à ceux qui sont bons, ou de même de passage, ou même qui sont restés plus longtemps, mais qui sont restés discrets, en tout cas, sur le chat. Concernant un futur stream, ce sera en fonction de ma disponibilité et de mon envie tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite donc la bonne soirée et surtout, faites attention à vous.